coucou tout le monde, bienvenue les potos et les potesses pour un nouvel épisode de Slender The Arrival. Attention, ça va faire peur. En tout cas, c'est pas moi qui vous faire peur, hein, c'est le jeu. Clairement, toi qui étais là au premier épisode, tu le sais très bien. J'ai eu les jetons. Le premier épisode a été vachement éprouvant. Et là, on y revient parce que toi qui me regardes encore une fois, le dernier épisode, le premier épisode, hein, c'était il y a 3 semaines, un mois facile. Entre temps, j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai fait beaucoup de jeux différents. Lui, je l'avais mis de côté. Et maintenant que là, ça se calme à mort en termes de sortie, bah, boum, on y revient. Les jeux que j'avais mis de côté, on va les reprendre au fur et à mesure. Et quand je suis tombé sur Slender, bah, hey, je me suis fait bingo, on y retourne. C'était trop bien le premier épisode. J'en avais chié, mais voilà, on aime bien en chier. J'aime bien avoir peur. Non, c'est pas vrai. Non. Alors, il y a un truc aussi qui est chiant, c'est que on peut pas continuer. Quand j'ai lancé le jeu tout à l'heure, il n'y avait pas continué. C'est que je vais reprendre. Faut recommencer le chapitre. Et il y a un truc aussi que vous devez savoir, c'est qu'à chaque fois que vous commencez le chapitre, le même chapitre, vous commencez pas au même endroit. À chaque fois. Là, tu vois, si je quitte... Là, regardez. Là, tu vois, ça ressemble à ça. T'es d'accord? Alors ça, c'est un truc... Ouais, faut que je vous le montre. On va revenir au menu principal. Je suis désolé, hein. C'est un peu chiant, mais je veux vraiment que vous voyez la chose. J'ai l'impression que lorsqu'on arrive dans le chapitre, c'est de l'aléatoire. Là, tu vois, je prends le même chapitre dans les abysses. Et tu vas voir que le point de spawn ne sera pas le même. Moi, je voulais reprendre au même endroit qu'à la fin du premier épisode, mais je ne peux pas. Parce que le point change à chaque fois. Là, regarde. On n'est plus du tout au même endroit. C'est bizarre, hein? Enfin, c'est bizarre. Non, mais c'est peut-être fait exprès. Je me suis dit, cool, il fait jour, ça va être bien. Qui c'est qui chante? J'ai pas peur. J'ai pas peur le jeu. Alors attends, faut que je me rappelle un peu des touches. Donc la gâchette de gauche, c'est pour courir. Ah, le stick de droite, c'est pour zoomer. B, c'est pour se baisser. Et Y, c'est pour la loupiote. On n'a pas une carte? Ah, je peux retirer. Oh, c'est excellent. Je ne savais pas. Allez. Là, on a une cabane. Checkons ce qu'il y a dans la cabane. Ah, tiens ici. Lire. J'en ai à nouveau parlé à mon médecin aujourd'hui. Il aimerait beaucoup que tu viennes pour que vous discutiez. Je pense que c'est une bonne idée. Il a également dit que nous devrions trouver un moyen de nous confronter à cet événement traumatisant, car cela pourrait nous être très bénéfique. Ne t'en fais pas. Je ne lui ai pas donné de détails sur ce qu'il s'est passé. Je crois que nous devrions vite retourner dans ce parc derrière la maison de ta mère. Je pense qu'y aller... Et voir qu'il n'y a strictement rien nous aidera à nous débarrasser de nos maudits problèmes. CR. Super. Donc là... Je peux rien faire. Là, nous avons une route. Mais par contre, je sais pas du tout où aller. Je sais même pas... Oh! Le sens à emprunter. Donc si je peux aller par ici... Qu'est-ce qu'il y a par là? Mais en tout cas, ça fait du bien de commencer le jeu avec un niveau sous le soleil. Parce que lorsqu'on s'était quitté, enfin le niveau d'avant, c'était vraiment un niveau où on avait été poursuivi par le gaillard. Le gaillard sans visage. Et c'était mais chaud, chaud, chaud. Là en face, il y a une autre cabane. Y'a pas de porte? Non, y'a pas de porte.
Là, c'est un cul-de-sac. Ok. Continuons. Je pense qu'on va pas avoir trop le choix sur la direction à emprunter. Là, déjà, tu vois. Ici, c'est fermé. À mon humble avis, d'après mon petit doigt, ça doit être par là. Wow. Jean-Michel, calme-toi. Récupérer. Important à tous les employés, après la fermeture ce dimanche, votre salaire vous sera envoyé par voie postale à votre domicile aux coordonnées que nous avons sur votre dossier. Veuillez prendre rendez-vous avec Jessica si vous avez récemment changé d'adresse. Autrement, vous ne recevrez pas votre dernier chèque et ce serait couillon pour vous. Tant mieux pour nous, tu me diras. Nous aimerions tous vous remercier pour vos nombreuses années de bons et loyaux services chez Coolman Mining. Et nous vous souhaitons bonne continuation pour tous vos projets futurs. La direction. Tiens. Encore. J'ai essayé de te rejoindre après avoir trébuché et glissé le long de cette pente. Mais ma lampe torche a heurté une des pierres dans la descente et n'y a pas survécu. J'étais dans le noir complet. J'entendais des bruits tout près de moi, des cris. On aurait dit ta voix. Tout s'est effondré autour de moi. Je me suis senti écrasé. Tout est allé si vite. Je me noyais dans une eau opaque où je n'y voyais rien. Toutes les peurs que j'ai pu ressentir dans ma vie sont revenues me hanter en même temps. Des monstres m'ont encerclé. J'ai senti mon estomac se retourner, mes yeux se ratatiner, mon cœur se déchirer. J'ignore ce qui s'est passé ensuite. Oula, ça résonne. Ça résonne alors que ça ne devrait pas résonner. le son, hein, le sound design est assez particulier. Là vous le voyez pas, hein, mais on est dans une cathédrale. Ok, il sort la loupiote tout seul, comme un grand, c'est bien. Allô ? Mais je vais avancer. Arrêtez de me parler dans l'oreille. Attention, Coolman Mining, en cas de coupure de courant, tous les employés doivent quitter les mines dès que possible en empruntant les ascenseurs de secours. Pour alimenter les ascenseurs, veuillez démarrer les générateurs d'urgence dispersés au rez-de-chaussée du complexe. Au moins 6 générateurs doivent être actifs pour que l'ascenseur fonctionne parfaitement. Nous vous prions de contacter votre responsable si vous avez besoin d'aide pour les localiser. Je vais bien, Kate. Les bois sont beaux, viens voir. Je viendrai te trouver pour que tu vois. C'est magnifique, Kate. Finalement, on n'y a pas été longtemps dehors. Ah, mais il y a toujours des trucs à lire. La vente de terrain à Coolman Mining Company. Le parc Dockside est parvenu à un accord avec la Coolman Mining Company concernant son acquisition des droits d'extraction sur l'une des montagnes du parc qui appartient à l'État. Le président de Coolman Mining, James Walter, a déclaré qu'il était ravi que l'accord soit conclu et qu'il est enthousiaste à l'idée des opportunités que cette nouvelle exploitation apportera à l'entreprise et à la communauté. Le parc Dockside a entamé les négociations avec Coolman Mining. Oula. Doucement. Oh, ce bruit de fond, mon gars. Cette espèce de bourdonnement. Ah ouais, on y voit que dalle. J'avais peur.
Non, là c'est un cul-de-sac. Va à l'ancien... va à l'antenne relais. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à y faire? Bon, où sont les générateurs? Ah! Ça en fait deux. Ici. C'est moi ou ça a l'air grand? Je ne bouge plus. Qui c'est qui marche? Attention. Putain de merde! Qui c'est qui me nargue? Mamma mia! J'ai peur! Oui? Je suis gentil! Et tout à l'heure il marchait, là il court! Il se rapproche ou quoi? Bonjour. Qu'est-ce que... Ah. Salut. Moi c'est Marcus. Ça va bien? T'es bugué? Écoute, reste bugué. Moi ça me dérange pas. Bon, voilà, si tu fais que des bruits, ça va encore. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que tu bouges. Ah, mais il y en a peut-être un autre. Il ne serait pas en bas? C'est pas où t'es. Mais ça va pas tarder. Là. Yes. Il court, il court, il court. Putain! Ah! Mais qui c'est? Mais qui c'est? Je comprends pas ce qu'il me fait! Ok. Boost! Hors de ma vue!
Putain de bordel de merde. Mais il est là le Slenderman. Mais non. Non. Voilà, tu vois, ça écrit non. Je réessaie. Mais ça marche pas la lumière là. Putain. C'est quoi ce Beans? On reprend où? Tac. J'allume ce générateur. Maintenant, on va aller par là. On va essayer d'alterner, de changer un peu, histoire de bien voir un petit peu tout ce qui nous entoure. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est un flingue. Je sais pas, une tronçonneuse, une minigun, je sais pas moi, un lance-flamme, un fusil à pompe automatique. Bon, cette fois-ci, on va aller à droite. La 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 la. Ah, super. Il n'y avait pas un générateur tout à l'heure. Ça veut dire que les générateurs... comment je pourrais dire, apparaissent comme ça aussi aléatoirement. Il y a peut-être beaucoup de choses qui se font de manière aléatoire. Hein. Ça y est. Il est là. Il arrive. Générateur. Allez. On y croit à mort. On va aller à gauche. Là en bas, un générateur. Moi, il est pas loin. Non, il est en dessous. Là, que dalle. Ça en fait 3. Non, c'est par là qu'il faut que j'aille. C'est bordel pour s'y retrouver. Oh, c'est good. Dans ton cul. Phew. Ah, j'y croyais pas. Poupili papa. Ça monte, ça monte, ça monte. Mais jusqu'où on va monter comme ça? Et hop la bombe, on y est. Allez. Oh,
on a fini le chapitre. Mais là, tu vois, dans cette deuxième run, Slenderman n'est pas apparu. Merde, putain, on est là. Non mais attends, je veux sortir, moi. Lumière ? Lumière ? C'est quoi la lumière ? Ah non, mais on sort ! Yes ! Cours ! Cours ! Oui ! On quitte les ténèbres ! Ça fait du bien! Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais plus si on peut courir comme ça indéfiniment. Ah ouais. On est haut. Ah quoique non, on descend pas, d'accord. Ou en tout cas pas encore. Hé, l'antenne relais. C'est pas l'antenne qui est devant là? Oui. Je peux passer par là, tout à fait. Ah, là on descend. C'est bizarre, j'ai l'impression d'entendre un peu d'eau. Comme s'il y avait une rivière pas loin. Ah. Oh, je peux passer par là? Je pouvais monter? Ouais mais attends là, c'est quoi? C'est le bon passage ou c'est quelque chose d'annexe? Je veux mourir. Apparemment, de ce que j'ai compris, il veut mourir. Peut-être que je me trompe pas. Kate, j'ai fait des recherches et j'ai découvert un terrain ancien qui appartient à la famille Matheson. Matheson, depuis longtemps. Les gens savaient que Charles emmenait sa femme, Diane, et son fils, Charlie, dans leur vieille propriété familiale pour des pique-niques en famille. Je ne m'attendais pas le moins du monde à ce que j'y ai trouvé. Je pense que Charlie a remarqué quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Je te fais parvenir un enregistrement de mes découvertes et quelques documents que j'ai pu dénicher. Je crois que c'est une affaire très sombre. Kate, c'est quelque chose que je ne peux pas t'expliquer. Et ramasse ? Tu veux pas ? D'accord. Ah, mais ça marche comme ça ? Ah, ok. Mais j'espère qu'on va revenir ici après, hein. Whoa! The date is September 19th. My name is CR, on site of the Matheson family farm, continuing my investigation in Charlie's disappearance. Micro sature un peu, hein. See what we can turn up. C'est pas mal comme truc. Ah, j'ai pas de lampe torche. Ça, c'est couillon. Ah, ici. Charlie. Donc là, on n'a que dalle à faire. Demi-tour. On rebrousse le chemin. Et on va aller au niveau de la bâtisse qui est là. La porte est ouverte. Ouh, il y a quelqu'un ?
Tiens là. Rose, on retourne dans la cave cette nuit pour jouer à cache-cache ? Père ne rentrera pas de sa course à Red Deer avant l'aube. Et Norm dit qu'il a trouvé une lanterne et qu'il pourra nous emmener ce soir si on se retrouve tous à la chapelle après le dîner. Je sais que tu détestes l'odeur rance d'essence là-bas, mais ce sera amusant. Je te le promets, Maggie. PS, n'en parle pas à Patty, elle va nous dénoncer. C'est une cafeteuse. Chut, garde ça pour toi, mec. Poup, poup, pip, papa. Bah apparemment, il n'y a rien à faire. En fait, dans chaque structure, il y a un truc à récupérer. Un dessin, une note, enfin, comme tu sais. Puis après, tu peux t'en aller. Ah, ici, c'est fermé. Et oui, 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 oui. Ah. Non. Non. Comment je fais pour aller par là? Tout à fait. La voiture, qu'est-ce que tu vas me dire? Rien. Mais qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Peut-être dans la grange? Ah, attendez. Bingo! Heureusement que j'ai l'œil. Hein. Et un cerveau. Je pense que c'est méga chouette. Mais attends. Si je fais ça, là tu vois, regarde, hop, tac. Un générateur. Cours de carburant. Rappel. Tout le blé et toute l'orge doivent être stockés dans une cave souterraine pour un entreposage frigorifique. Le blé peut être conservé jusqu'à 9 mois avant l'apparition d'humidité. Les grains secs doivent être immédiatement apportés à la cave pour l'entreposage hivernal. Refroidir les grains permet d'endormir les insectes et de réduire l'apparition des moisissures. Je ne peux rien faire. Peut-être qu'on va devoir trouver des jerrycans d'essence afin d'alimenter le générateur. Ouais, je pense que c'est ça. Toi, l'épouvantail, reste là où t'es. Je suis pas rassuré. Papa. Mais en fait, il y avait que dalle à faire au niveau du générateur. Ah. Et chapelle. Donc ouais, là on a la grange. Pif paf pouf, on va aller à gauche. Ah ouais, direction le moulin. Peut-être que c'est là-bas qu'on va récupérer le jerrycan, hein. Ou peut-être que... En fait, non, on va aller là. Ah! J'aime pas trop ça, moi. Ah! Excusez-moi. On voit rien!
Le grand livre d'histoire de Mamie Richter, volume 1. Lumière. Lumière. Putain ! On voit rien ! On voit rien, merci. Putain de merde! Oh! Haha! Je sais pas où on est, mais on y est! Est-ce que je peux revenir là où j'étais? Bingo! Donc là, on va revenir à la grange. Mais j'ai pas de loupiote, hein. Dépêche, dépêche, dépêche. Mais c'est quoi ça? Mais Slenderman, retourne te... Ouais, retourne te coucher. Ou alors c'est cette espèce de créature là qui rôde dans le champ qui fait un peu crépiter un caméscope. Quelqu'un? Qui c'est qui fait grincer le bois? Passer. Là, on a une cabane. Est-ce que je peux monter? Je vois qu'il y a une échelle. Non, je peux pas. Ok. Ah. Rangée arrière, on s'en fout. Quoi, attends? Non. Clé de portail ramassée. Ok, d'accord. Et là, je vais devoir retourner dans le champ. Et ça me fait chier parce qu'il va y avoir l'autre mioche là. Mais oui. Toi, c'est des malins. Hein. D'abord, petit 1. Récupère le jerrycan pour alimenter le générateur. Petit 2. Une fois le générateur allumé, traverse la structure, là, les silos, pour récupérer la clé du portail. Petit 3. Direction le portail avec ta clé. Et puis petit 4, tu passes à travers. Et puis après, bah, tu vois ce qui va se passer. Seulement. Non pas. T'as vu un peu comment le temps change? Tout à l'heure il faisait jour. Et en fait à chaque fois qu'on avance au niveau d'une énigme, entre guillemets, le temps passe. Allez. Salut! Moi c'est Marcus.
pas ça, j'aime 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 pas ça. Touche à ton cul! Ah, la bonne ambiance! Y'a personne? Qui c'est qui chante? Ah! Merde, le con! J'ai la flemme de tout lire. J'ai la flemme de tout lire. Attention. 3, 2, 1. Je descends. 3, 2, 1. Je retire. J'ai pas de loupiote. Viens avec moi. Oui ? Putain de bordel de shit, c'est quoi qui me poursuit là ? Mais t'es pas comme ça tout à l'heure ! Ah, il est vénère, hein! Peut-être pas attendre. Cher journal, Patricia n'est toujours pas rentrée. Mère affirme qu'elle est juste encore partie cueillir des fleurs, des champs. Mais je sais que c'est pas vrai. C'était cet homme, cette chose, dont grand-mère se plaint sans cesse. Je ne crois pas qu'elle soit folle. J'ai vu l'homme, en fait. Il nous observe quand on joue. Patty est allée le retrouver. J'en suis sûr. Si seulement mère voulait bien écouter. Je me demande quand il rentrera, Rose. Ouais. Père nous a encore demandé de prier ce soir. C'est inutile, c'est même agaçant plutôt. Pour ma part, je parie que Patty et Walt se sont enfuis de cette vieille bâtisse pitoyable. Et je les comprends. Grand-mère et Rose soutiennent toutes deux qu'un homme étrange les aurait enlevés. Quelle baliverne! Est-ce que je suis la seule à avoir toute la tête, toute ma tête? Peut-être que je devrais partir, moi aussi. Maggie, 9 juin 1905, quand même. Hein. C'est pareil sans tout ça. Ma très chère Frieda. Bien que j'éprouve encore beaucoup de peine et blablabla et blablabla. Putain, y'a un autre. Non. J'ai récupéré. Putain! Qu'est-ce qui se passe? C'est fini? C'est fini. T'es bien. C'était bien. Là, on a ce qu'on veut. De l'ambiance. De l'horreur. On a une autre cassette. Et je peux interagir. Ouais, mais en fait, je vais m'arrêter là parce que, faut que, voilà, pas trop long, quoi, histoire que le cœur, doucement, quoi, que la tension s'abaisse, toi-même, tu sais, et puis éventuellement, si vous êtes chaud, que vous voulez voir la suite, vous me le ferez savoir dans les commentaires, et si je vois que vous êtes nombreux et nombreuses à réclamer un autre épisode, je le ferai avec plaisir, mais je vais déjà attendre de voir un petit peu ce que vous en aurez pensé de cet épisode, de cette VOD. Vous me direz si ça vous a plu ou pas, si vous voulez la suite ou pas. Et est-ce que ça vous a fait flipper, hein? Toi qui me regardes, dis-moi tout. Du coup, avant de partir, vous n'oublierez pas
le pouce en l'air, le partage, l'abonnement, la petite cloche. Et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.